des dizaines de camions de marchandises complètement à l'arrêt. 6 heures ce matin, les employés Carrefour de Saint-Germain-du-Puy bloquent l'entrée de ce dépôt. Ce site approvisionne une partie des magasins de l'enseigne. Des huissiers de justice notent le nom des grévistes. Du côté des chauffeurs routiers, aucune impatience. J'ai d'autres livraisons, mais comme ça tombait sur ma coupure, donc ça tombe très bien. Donc voilà, c'est en fait super. Bah, après, je sais pas combien de temps ça va être bloqué, mais non, non, pour l'instant, c'est bon, quoi, je vais pas perdre de temps. Quoi. Les employés Carrefour dénoncent les suppressions de postes, mais aussi la baisse de leurs primes. On est là parce qu'on a un nouveau président qui nous a royalement donné 50 euros de participation aux bénéfices. Ça représente 7 millions des bénéfices réalisés en 2017 et il y en a 350 qui vont pour les actionnaires. En plus de la cinquantaine d'euros, un complément de 350 euros devrait être versé à chaque salarié. L'année dernière, cette prime était de 600 euros par personne. À 8h30, le dépôt retrouve son calme. Ici, à l'entrepôt Carrefour, comme vous le voyez derrière moi, les camions passent à nouveau. Et demain, dans une grande partie des magasins de l'enseigne Carrefour, il devrait y avoir une mobilisation importante. Tractage, filtrage à l'entrée. Les syndicats qui se trouvent derrière moi me l'ont assuré. Ils sont déterminés.